Bonjour, monsieur. Bonjour. Où allez-vous? On a des choses à faire. Entrez pour qu'on discute. Ensuite, vous irez où vous voudrez. Écoute, papa. On n'a pas le temps de discuter. Mais si tu veux, on peut se retrouver plus tard, d'accord? Toi, t'étais où? Je reviens de la banque. J'ai parlé au directeur. Ils vont nous aider à avoir un crédit. Hein? Mais pourquoi tu as fait ça, papa? J'en ai pas besoin pour l'instant. Je veux pas de crédit. On en discute plus tard, ok? Ok. À plus tard. Bonne journée, monsieur. Au revoir. J'ai renvoyé le matériel à la société. Je sais. Au revoir. Bonne journée. Tu as vu les journaux aujourd'hui? Non. Pourquoi? Regarde ça. Ils ont juste oublié de signer pour toi. L'auteur est Kamal Tekinoglu. Il est beaucoup moins photogénique comme ça, pas vrai? C'est l'heure de la revanche. Plus de mots, mais des actes. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mon pote. Entièrement d'accord. Merci. Merci. De rien. Ne me dis pas qu'en plus de ça, Ali travaille aussi dans tes bureaux. Non, il ne travaille pas ici. Bonjour. Bonjour. Les bureaux sont très calmes. Kamal et Karim ne sont pas encore là. Nail est arrivé? Oui, il est là. Mais il n'est pas seul. Qui est-ce? Samir Tezcan. Ils ne m'ont pas laissé partir après ça. Et ils se sont acharnés sur moi, tous les deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, ça va? Ça va. J'étais en train de m'informer un peu sur votre société. Nous envisageons d'acheter votre céramique dans un futur proche. Avec plaisir. Eh bien, assieds-toi, Yanis. On a répondu à un appel d'offres au Qatar. Et on commence les travaux dans un mois. Je serais heureux de faire affaire avec vous, si vous le voulez bien. Bien sûr. Qu'est-il arrivé? Oui, j'expliquais à Nail que je m'étais attiré des problèmes. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Et le scandale est maintenant public. Je n'ai pas encore lu le journal. J'ai eu un sérieux problème avec Kamal Tekinoglu. Pas possible. Yanis n'était pas encore au courant. Ah bon? Mais je suis curieux maintenant. Qui a-t-il? Oui, allô? Un instant. C'est pour vous, madame. Qui est-ce? Je n'ai pas demandé. Oh. Allô? Bonjour, c'est Salma. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? J'ai quelque chose à vous demander. Ne me demande rien. Sinon, quelqu'un va beaucoup s'énerver. Il va encore y avoir des problèmes.
Tu sais très bien de qui je veux parler. Tu sais parfaitement que ça va mal se passer encore une fois. Et franchement, je veux pas être mêlée à ça. J'ai pas envie que ça se passe mal. J'essaye juste de comprendre ce qu'ils essayent de faire avec moi et pourquoi ils jouent à ce jeu-là. Et je peux savoir de qui tu veux parler? Qui a pris l'appartement? Je suis quasiment sûre que c'est Samy, n'est-ce pas? Mais écoute, je ne suis pas au courant. Est-ce qu'ils t'ont pris un appartement? Oui. On m'a dit que mon mari avait pris cet appartement, mais pourquoi Kamal aurait fait ça? Écoute, je n'y comprends rien, Salma. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau et j'arrive plus à suivre. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je suis désolée. Alors, vous ne savez rien? Je ne sais rien du tout. Et je te demande une chose. C'est de nous laisser en dehors de ça. N'essaie plus de nous contacter, tu as compris? Écoute, ma fille et moi, on ne veut plus rien avoir à faire avec cette histoire, s'il te plaît. Essaie de nous comprendre, je t'en prie. Au revoir, Salma. Bon, les filles, quand vous décrochez le téléphone et que c'est pour moi, vous devez demander qui c'est. C'est pas compliqué, bon sang. D'accord. C'était une cliente? Non, pas du tout. C'était une folle, c'est tout. Bonjour, pouvez-vous préparer ma facture, s'il vous plaît? Je vais libérer la chambre maintenant. Ah, et faites venir un taxi aussi. Merci beaucoup. C'était une visite de courtoisie, mais j'espère qu'on pourra se revoir plus tard, si vous le voulez bien, pour discuter de tout ça. Bien sûr, avec grand plaisir. Je l'espère. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci encore pour tout, Naïl. Eh bien, de rien. Ne vous dérangez pas. Au revoir. Merci. Alors, c'est ça que tu me cachais? Je ne te cachais rien, je ne pouvais pas te le dire. La femme de Kamal et lui... C'est pour ça que Kamal était à Cran l'autre jour. Maintenant, je commence à comprendre. Eh bien... Merci pour le café. De rien. On va se voir souvent à partir de maintenant, donc autant bien s'entendre. Jusqu'au soir de la bagarre, je croyais que Salma était la fautive. Mais Ali m'a dit ce qui s'était passé. Et vous êtes loin d'être innocent. Vous avez beaucoup de préjugés. C'est vous qui avez cherché la bagarre. Ok. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais j'espère avoir l'occasion de vous montrer qui je suis vraiment. À bientôt, puisqu'on va être amené à se revoir. Et bonne journée. C'est pourquoi on ne devrait pas traiter avec lui. Pourquoi? Je ne le sens pas. Et pourtant, ils ont un gros potentiel. Et ça nous placerait sur le marché moyen-oriental. On entrera sur ce marché quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin de lui pour ça. On ne choisit pas nos clients en fonction de Kamal et Karim. Et ce qui se passe dans sa vie privée, ça ne nous regarde pas. La personne avec qui il a un problème, c'est Kamal Tekinoglu. C'est lui le problème. Il a des problèmes avec tout le monde en plus. Et avec toi aussi alors. Je pense que ce serait bon pour nous de traiter avec lui. Je vais te dire pourquoi. Oui, Kamal? Oui, Kamal? Allô, Karim? Écoute-moi bien. Je crois qu'on devrait discuter, toi et moi. Plus en détail, de façon plus claire. Et c'est vrai que... Je suis toujours la victime, mais... Mais tu as raison aussi, de ton côté. Je suis content de t'entendre dire ça. On est frères, c'est vrai ce que tu dis.
Donc si tu veux qu'on en reparle sérieusement... On peut se retrouver chez Tanfer ce soir. Et on pourra parler en tête à tête. Ça te va? Hein? Tu vas venir? Ok. Ok, bien sûr. D'accord. À ce soir. À ce soir. Bien le bonjour. Salma Tekinoglu ? Oui, c'est moi. C'est pour vous. Une signature, s'il vous plaît. Vous savez qui les a envoyés ? Je n'ai reçu aucune information. Vous n'avez vraiment aucune idée ? J'en ai aucune idée. La commande a été prise par téléphone, madame. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Bienvenue chez toi. Profite bien. Il y a toujours quelqu'un qui pense à toi. Tu n'es pas seul, ne l'oublie jamais. Bonsoir et bienvenue. Ça va, Karim ? Bonsoir. Je cherche Kamal. On devait se retrouver ici. Il était là avec Ali. Ils sont partis. Il y a déjà un moment. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Monte. C'est quoi cette voiture? Ali me l'a prêté, ne t'inquiète pas. Allez, maintenant monte, il s'est passé un truc génial. Je te raconte sur la route. Hein? On va où? Monte et tu verras, allez, allez. Dis-moi où on va. Mais monte, bon sang, et tu verras. Tu veux que je me mette à genoux, quoi? Parce que je peux le faire, hein. Mais ma voiture est là. Laisse-la ici et monte. Tu viendras la chercher ici plus tard. Allez, monte. Tu as bu ? Juste un peu. Enfin, tu es monté. Attache ta ceinture. Je suis très content. Tu vas voir. Moi, je trouve que l'endroit est vraiment parfait. C'est près du centre et c'est facile d'y accéder. Je suis confiant, vraiment. Je pense que ce lieu va me porter chance. Je le sens bien. Faudra juste travailler. C'est ça, juste travailler un petit peu. C'est génial. C'est plus que génial, mon frère. Attends de voir le local. J'ai un millier d'idées pour une nouvelle affaire. Tu vas voir. Je m'y vois déjà, directeur de magasin Kamal Tekinoglu. Attends, attends. Tu as décidé ce que tu vas vendre? Non, pas encore. Mais dans ce local, c'est possible de vendre... à peu près tout ce que tu veux. J'ai quelques idées en tête, mais je te dis rien encore. C'est une surprise. Tu vois, finalement, c'est une bonne chose qui s'est passée. Parce que si tu m'avais pas dit que c'était fini, j'aurais pas commencé ce nouveau projet. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je serai encore sur les stands. Ce qui me motive vraiment, c'est que cette fois, c'est mon affaire à moi. Et tu avais raison. C'est l'occasion ou jamais de me lancer. C'est ça. Et tu sais, ça me fait plaisir que tu t'en rendes compte. Bien sûr que je m'en rends compte. C'est génial. Je serai bientôt mon propre patron. Et le mieux, c'est que je rendrai de compte à personne. Même si tu es mon frère, c'est dur d'être à tes ordres. Arrête. Mais c'est fini, c'est bon, c'est bon.
Tu verras, tu seras fier de moi. Demain, c'est le grand jour et quand j'aurai signé le contrat, plus personne ne donnera d'ordre à ton frère. Tu seras très fier de moi. Kamal. Tu sais que je suis plus tranquille maintenant. Je savais que tu pouvais mener ton propre projet tout seul. Bien sûr. Bientôt, je n'aurai plus besoin de l'aide de personne. Parce que même si tu es mon frère, travailler avec toi, ça reste difficile pour moi, tu le sais. Je sais, et c'est tout à fait normal, connaissant ton caractère. Et tu ne peux pas non plus travailler pour une entreprise, pas vrai? Oui, tu as raison. Tu as raison. Et puis ce projet avec toi, c'était une expérience plutôt intéressante, mais bizarre. Pas vrai? Oui. Mais... tu crois que je réussirais tout seul? Est-ce que tu as déjà oublié comment tu gérais bien les stands? C'est vrai que moi, quand j'ai un objectif en tête, je fais tout pour l'atteindre, tout. Je suis si content d'avoir repris confiance en moi. Je me sens tellement bien, tu vois? Tout est possible, et il suffit de le vouloir, et d'être motivé. Oui, tu as raison. Ah, mon frère, tu vas voir ce que tu vas voir. Quoi? Tu vas voir que je vais déchirer avec ce projet, je te jure. Je ferai tout pour que ça marche. Je le souhaite sincèrement pour toi. Karim? Oui? Tu sais ce que je souhaite vraiment? Regarde devant toi. Ok. Je veux juste mener une vie stable, tu vois, comme tout le monde. Oui. Je suis fatigué des bagarres, des disputes, des problèmes tout le temps. Vraiment, je te jure. Mon Dieu, je crois pas ce que j'entends. Je te jure que je te dis ça sincèrement et que je le pense du fond du cœur, vraiment, crois-moi. Je veux vraiment devenir un homme responsable qui mène une vie stable. Je veux rien d'autre. Sincèrement. Ça alors. Tu te rends compte de ce qui se passe? Tu te rends compte? Si Dieu le veut, demain, je signe ce contrat et ma vraie vie va commencer, enfin. Je l'espère vraiment, je te le souhaite. Moi aussi. Vraiment. Mon frère. Vraiment. Oui. Pour une fois, tu seras réellement fier de moi, j'en suis sûr. Je suis déjà fier. Top, top, top. Fait quoi? Je sais pas. C'est pas vrai! Karim, il est mort? Je sais pas. Karim. Il est mort, Karim. Kamal, qu'est-ce que tu fais? Il est mort. Alors? Il est mort. Il est mort. Karim, il est mort. C'est pas vrai, mon Dieu! C'est pas possible! Non, mon Dieu, non! Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Karim, qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais devenir, Karim? Il faut partir. Kamal. Quoi? Kamal. Il faut partir. Attends. Viens. Attends. Viens vite. Kamal, attends. Viens, dépêche-toi, on se tire d'ici. Stop, faut attends. Partir maintenant. Prends le volant, Karim. Allez. Cette fois, c'est à ton tour. Allez, prends le volant. Allez, Karim. Vas-y. Vas-y. Karim, écoute-moi.
Je peux pas revivre ça, tu m'entends? Je veux pas retourner en prison. J'en mourrais si je devais y retourner. Je veux pas qu'on m'enferme encore une fois. Tu m'entends, Karim? Je t'en prie. Je t'en prie. Allez, mon frère. Chut. Allez, mon frère. Allez. J'ai trop bu d'alcool. En plus, j'ai pas le permis, Karim, je suis foutu. Je t'en prie. Je t'en prie, Karim. Il n'y a pas d'autre solution, Karim. Sinon, je suis foutu. Tu dois me sauver, Karim. C'est à ton tour, cette fois. Tu m'entends ou quoi? Réponds-moi, mon frère, réponds. Réponds-moi! Karim. Allez. Allez. Monte. Tu disais qu'on était frères, hein? Tu disais que tu donnerais ta vie pour moi, hein? Je me suis sacrifié pour toi! Maintenant c'est à ton tour! Arrête! Faut pas conduire quand on a bu. Non. Il est hors de question que je paye pour ta stupidité. Non, j'irai pas en prison pour ça. Je le savais. Mais je voulais l'entendre de ta bouche. Désormais, tu n'es plus mon frère. Tu m'as entendu?
Ça va, chérie ? Oui, ça va. Et toi ? Un peu fatiguée. Tu sais, on a marché toute la journée aujourd'hui. Tu fais quoi ? Rien. J'allais rentrer. Tu me manques. Toi aussi. Mais ça me fait du bien d'être ici quand même. J'avais besoin de prendre l'air, de voir autre chose. De m'échapper. Je suis content. Mais toi, est-ce que ça va ? Oui, oui, ça va. Tout va très bien. T'inquiète pas. Où est-ce que tu as vu cette caméra ? Mon oncle l'a ramenée d'Allemagne. Hors de question. Je vais rien effacer. Si jamais il revient vers toi, et s'il ose t'appeler encore mon frère, tu pourras lui montrer ça pour lui rappeler. Le moment est immortalisé. Je risque pas de l'oublier. T'inquiète pas. Y a pas de risque. Tu serais très naïf sinon. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Pas question, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu sais, Kamal, j'aurais tellement aimé que Karim nous surprenne. Mais malheureusement, son masque est tombé. Il a rien dit. Il a pas dit un mot. Je me demande comment il va pouvoir te regarder dans les yeux maintenant. Ça y est, c'est fini. Rien ne sera plus jamais pareil maintenant. Nom de Dieu, mais vous êtes malade ou quoi ? Partez ! Assis-toi. Qu'est-ce qui se passe, Tonser ? Je vous demande de vous en aller. Je ne vais pas vous le répéter, s'il vous plaît. Partez ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui c'était, ces types ? Ils voulaient quoi ? Ils refusaient de payer la note ou quoi ? Raconte. Non. Bekir les envoie. Ils étaient partis, mais les revoilà. Malheureusement. C'est à mon local qu'ils en veulent. C'est qui, Bekir ? C'est juste un type. La mafia des parkings. Ils arrivent et s'incrustent petit à petit. Et ils attendent que tu finisses par en avoir marre. Et que tu sois sur le point de craquer. Et que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Ah bon ? Mais pourquoi tu les laisses faire ? Tu sais, tu peux appeler la police. Mais je me suis déjà plaint plusieurs fois. Ils ont été convoqués au commissariat. Mais ils nient à chaque fois. Et après ça, ils te harcèlent encore plus. Ah mon Dieu.
Eh oui. Moi, mon malheur, c'est que je suis bien placé. Ils veulent mon local pour une bouchée de pain. Et je n'ai même pas envie de vendre. Pas du tout. Bien sûr que tu veux pas vendre. C'est normal. Bon, je vous laisse. Je vous ai gâché votre soirée. Mais non, pas du tout. Pourquoi tu prends pas un vigile? Parce que toi tout seul, tu peux rien faire contre eux, tu vois? Et ils le savent bien. Ils en profitent. Je vais réfléchir à une solution. Ces types ont du culot. Ils te pourrissent la vie. Ils viennent toujours avant la fermeture. Ils s'assoient. Et après, impossible de les déloger. Ils me disent, toi, t'as qu'à y aller. Ils viennent juste pour te provoquer. Ils me font peur. Hier soir, ils m'ont suivi jusque chez moi. Là, franchement, j'ai eu peur pour ma famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Ils sont juste venus jusque chez moi. T'inquiète pas. On va fermer le bar ensemble demain. Laissez tomber, je ne veux pas vous attirer de problèmes. Ne dis pas ça, Tonser. Cet endroit est à toi et rien qu'à toi. Il est hors de question qu'on les laisse te le prendre. Ils sont courageux quand tu es seul, mais avec nous, ils vont arrêter de t'embêter. Si tu le dis. Bien sûr qu'on peut faire ça pour toi. Bon, alors on va peut-être te laisser pour que tu puisses fermer tranquillement maintenant. Non, restez encore. Restez un peu. Je vous amène des fruits. J'arrive tout de suite. Ah, évidemment, c'est pour moi ce soir. Non, Tonser, c'est pas la peine. Tu es vraiment pas obligé de faire ça. Si, Kamal, ça me fait plaisir. Bon, alors, merci. De rien. Regarde-le. Hé, hey, Kamal, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais leur taper dessus, c'est bien ça? Parce que t'as pas pu te défouler sur Karim. C'est raté. Kamal. La porte, Kamal. De quoi? Ouvre. C'est bon, j'y vais. J'arrive, j'arrive. Je veux savoir si elle y va bien. Je viens de voir que sa voiture est abîmée. Ah. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste un nid de poule. Arrête, s'il te plaît, te moque pas de moi, tu veux? Tu veux entrer? Attends, 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 une minute. Je vais m'habiller d'abord. C'est qui? Jamila. Je te regarde pas. Bonjour, ça va, Jam? Oui. Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure? J'ai vu ta voiture en allant au travail. Tu t'es même pas lavé le visage. T'as vu ma tête à la base? Toi, qu'est-ce que tu fais là? J'allais au travail et j'ai vu ta voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre.
Assieds-toi. Vous avez fait des bêtises encore ? Jamila, on a tendu un piège à Karim hier soir. C'était vraiment incroyable. T'aurais dû voir ça. Pourquoi ? Oh. Raconte ! Allô ? Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Mehdi Karmassi, l'avocat de Kamal Tekinoglu. Je vous écoute. Nous avons besoin de vos coordonnées exactes pour vous faire parvenir le dossier de demande de divorce. Je n'ai pas d'adresse pour le moment. Qui est votre avocat ? Je peux lui envoyer les papiers, sinon. Je n'en ai pas encore. Vraiment ? Mais il faut que je vous envoie le dossier dans les plus brefs délais. Où êtes-vous en ce moment ? Je peux vous envoyer un coursier jusqu'à vous ? Non. Je viendrai le chercher moi-même. D'accord. On parlera sur place dans ce cas. D'accord. Monsieur Tekinoglu m'a dit que vous n'aviez pas d'objection et que vous désiriez divorcer vous aussi. C'est vrai. Je n'ai pas d'objection. Où est votre bureau ? À Kadikoy. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse ? Attendez. Si je viens, Kamal ne sera pas là. Non, non. Je ne veux surtout pas le voir avant le jugement. En effet, ce serait mieux. D'accord, j'écoute votre adresse. Tu disais qu'on était frères. Même lui, il a compris. S'il pensait qu'il était quelqu'un d'autre, au moins, il s'est retrouvé face à lui-même. Je m'en vais. Je vais emmener la voiture au garage. Je te dépose chez toi. Tu veux bien me déposer au quai ? Je suis en retard et j'ai pas envie de marcher. Oh, comment tu veux que je te dise non ? On y va, ou elle va être en retard. Fais vite. Ok.